ce play Beachy, j'espère que vous allez bien, comment ça va, très très bien. J'en ai un peu une petite vidéo de glitch. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment customiser le blazer des gardes-côtes. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like ou même vous abonner. Et sans plus tarder, passons à la vidéo. Donc pour commencer, vous devez venir ici sur la plage et vous devez trouver le blazer. Donc vous trouverez un peu partout sur la plage. Voilà, il est de couleur rouge. Voilà, dès que vous l'avez trouvé, vous le prenez et vous le mettez dans votre garage. Voilà, dès que vous l'avez mis dans votre garage, vous sortez avec un véhicule de votre choix, peu importe le véhicule. Vous sortez avec le véhicule, voilà, vous attendez devant le garage, puis vous installez l'application iFruit qui se trouve, enfin, qui est sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, enfin Windows 8. Donc voilà, dès que vous avez installé l'application iFruit, vous devez connecter votre compte Social Club et vous devez aller sur LS Custom, vous devez choisir le quad des gardes-côtes, puis vous devez le customiser. Donc là il va vous montrer la facture et vous avez juste à commander. Donc sur GTA 5 vous attendez un peu, vous attendez 2-3 minutes et là il va vous dire, enfin vous allez recevoir un message de LS Custom en vous disant que votre quad a bien été livré, enfin qu'il a bien été modifié, etc. Donc voilà, dès que vous recevez ce message, vous devez rentrer dans le garage. Donc voilà. Donc le blazer sera là customisé, voilà. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like ou même vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, bye les gens, peace out.